dernier week-end, le dernier samedi de décembre, pardon. Je commençais par une petite sortie. Là, ils sont arrivés, pour certains, entre 75 et 100 km. C'est déjà pas mal. Nous avons des recrues cette année. Nous avons notamment Benoît Chaumeau. Debout. présent. Maintenant, nous avons une exception quand même, quelque chose qui nous a fait plaisir. C'est les deux camarades là, qui ont dit va voir contact le Jean-Pierre, tu vas voir ce qu'il va te prendre. Cette jeune dame, elle a fait 105 bornes hier, elle a fait 61 dans le temps ce matin. Elle est comme son mari, elle est folle du vélo. Mais, avec une différence entre les deux quand même, c'est qu'elle a décidé de faire de la compétition à partir de cette année. Je n'arrive pas son âge, mais je peux vous dire qu'elle avance. Essayez de tourner les manivelles. Attendez, pour aller avec les kikis, là, quand même, pour vouloir. Hein. Donc, Anne-Marie Raguet, qui fait donc partie de l'effectif des cyclistes de l'Union maintenant. Autre personnage, il n'est pas là malheureusement, c'est David Ferraz, qui malheureusement avait autre chose à faire. Garçon qui était coureur cycliste en FFC il y a des années, il a été un moment sans courir, et puis là, bah, il a décidé de se remettre les fesses sur une selle. Et ça va bien. Donc voilà, on a une équipe fort sympathique. Et Philippe Brière aussi, il est absent, il a un souci familial. Donc il est en train de s'occuper de sa maman, ce n'est pas évident. Donc nous avons quand même un effectif, je me disais qu'il allait se réduire, mais non, c'est l'inverse qui se passe, tant mieux pour nous d'ailleurs. Ce qui veut dire que cette année, en Fédération française de cyclisme, on a un petit jeune qui veut dire que je rame en FGT seulement, hein, puisqu'il est en FFC actuellement, un vrai sportif, garçon qui promet sérieusement, puisque des victoires en cyclocross, cette année, il en a... Pas gros. Ah oui, oui. Je sais pas combien il en a, mais... pas loin de la dizaine, hein. Si c'est pas plus. Il a fait cinquième au championnat régional. La semaine dernière, il n'a pas gagné parce qu'il est vendu mécanique. Il fait deux à Comment il s'appelle ? Sandro. Ah, Aurène Froger. Son papa est licencié chez nous en FFC. Donc en FFC, nous avons 10 coureurs. En FGT, nous en avons 11. Nous avons le coordinatrice. Ça fait deux ans, deux mois et demi qu'elle travaille pour le club. Et là, depuis, on va dire un an, là, elle a tout le temps. Elle est en train de nous faire des trucs absolument. Moi, ça m'arrange. On fait des vidéos tous les deux, on fait beaucoup d'SMS. Voilà. C'est mon truc, elle a. Ta petite fille. Ouais, c'est ma petite fille, mais je suis fier. Non, mais. Mais si vous voulez, de par son métier, de par ses études, puisqu'elle est en master DRH, il y a beaucoup de choses qui nous rendent service. Et c'est donc pour elle qui nous fait notre travail.